Voilà, c'est parti. Eh bien, bienvenue à ce Zoom spécial pour vous parler de cette classe Being You, l'aventure d'être soi. Donc, je vais commencer par me présenter pour les personnes qui ne me connaîtraient pas. Donc, je suis Marie-Sandrine Salvé, facilitatrice certifiée Access Consciousness. Et j'ai fait le choix de faciliter donc cette classe Being You, donc de participer à ce training qui vient juste de se terminer en Suède, pour vous proposer cette classe qui est pour moi une classe, je vais pas parler de fondamentale, mais en tout cas qui a fondamentalement changé ma vie. Donc la première fois que j'ai participé à cette classe Being You, c'était à Marseille, il y a maintenant un peu plus d'un an. C'était avec le docteur Dan Heer et j'étais pratiquement toute nouvelle en fait dans cette approche. Je venais juste de découvrir Access, je venais juste de faire mes classes barres, j'avais fait ma classe facelift et fondation n'avait que 3 mois. Donc j'étais encore dans le fait de commencer à utiliser les outils d'Access. Et cette classe Being You, ça a vraiment été pour moi. Alors, je ne sais pas si un coup sur la tête, c'est le terme qu'il faudrait que j'emploie, mais c'est vraiment ça en fait qui s'est passé pour moi. Ça a été vraiment le réveil, quoi. Le réveil sur ce qui en fait était, comment dire, une évidence et ce que je me cachais profondément à moi-même. Donc, ça a été cette classe pour moi l'opportunité de vraiment déceler ce qui m'empêchait d'être dans cet espace d'être moi. Parce que quand on parle de cette classe être soi, c'est tout et c'est tellement flou. Et la première chose que je peux vous donner comme clarté par rapport à ça, c'est l'espace que cette classe peut créer. Cet espace, en fait, c'est un espace de clarté, c'est un espace de légèreté, c'est un espace d'aisance. C'est l'espace où, en fait, on est totalement en phase avec ce qu'on est, avec ce qu'on sait et avec ce qu'on souhaite créer dans sa vie. Donc, cette clarté, en fait, qui nous amène à poser les questions par rapport à ce qu'on sait possible et où on commence à utiliser les outils d'Access pour actualiser ça. Donc, par rapport à ce parcours que j'ai effectué, par rapport à cette classe Being You, ce que j'ai vraiment perçu et ce qui paraît vraiment évident, c'est que cette classe, en fait, c'est vraiment la porte enfin, pour moi, c'est la plus grande invitation pour tous. Déjà parce que c'est une classe sans prérequis. Donc, toute personne peut participer à cette classe. Ça peut être un moyen de découvrir Access Consciousness. Donc, cette classe, ça peut être sur une soirée, ça peut être sur une journée, ça peut être sur 2 jours et demi. Ça peut même aller jusqu'à 3 jours et demi avec le docteur Dan Heer. Et c'est vraiment un espace où on va aller dans plein de sujets et faciliter les personnes justement pour aller regarder où elles se sont limitées jusqu'à maintenant, où elles se sont cachées d'elles-mêmes et commencer en fait à lever le rideau. Vous savez, comme le spectacle commence, là c'est votre vie qui commence en fait. Après cette classe, de toute façon, il y a vraiment un avant, un après. Autant fondation, je décrirais cette classe comme, comment dire, aller regarder dans tous les coins d'une maison et remettre un petit peu, c'est pas les choses en ordre, mais c'est avoir une vue globale pour, avec beaucoup d'outils pour, comment dire, c'est un grand ménage, fondation. L'aventure d'être soi, c'est vraiment un lever de rideau. Enfin, pour moi, c'est ça. C'est vraiment une clarté sur qui on est ou qu'est-ce qu'on a oublié qu'on était aussi. Enfin, moi, c'était un petit peu ça qui s'est produit. C'est waouh, en fait, en cette classe, je me reconnecte en fait à ces énergies de joie que j'ai pu être précédemment dans ma vie, dans mon enfance, ou les rêves que j'avais, ce que je savais possible, et de tout ce à quoi en fait je m'étais coupée. Donc pour moi, ça a vraiment été ce lever de rideau-là, de dire ouais, maintenant j'ai la clarté, je sais ce qui m'anime, je sais ce qui me rend joyeuse, et en fait ce que j'écris jusqu'à maintenant, ben, ça me convient plus, ou ça me convient pas, ou je veux apporter des améliorations dans le sens, je veux une vie plus vibrante. Moins comment dire, moins routinière, et c'est même pas routinière, c'est moins éteinte, parce que j'en étais là en fait, ma vie, tout était tellement bien à sa place que ça en devenait
comment dire, plus qu'ennuyeuse. Enfin, il n'y avait plus l'énergie de la spontanéité et de la vie, de l'animation, de la surprise au quotidien. Tout était sous contrôle. Et du coup, enfin, cette classe, pour moi, pour partager ça, ça m'a vraiment reconnectée, en fait, à la folie qu'on peut avoir quand on est plus jeune, on se pose moins de questions, on s'écoute plus sur ce qui nous rend joyeux et comment en fait cette joie et le fait de s'écouter dans son savoir, ça peut tellement plus créer pour tout le monde. Et donc quand je dis que cette classe est vraiment l'invitation à tous, je le disais, c'est une classe sans prérequis, mais c'est aussi une classe que je recommande aux facilitateurs Access Consciousness, que ce soit des facilitateurs BAR, que ce soit des facilitateurs facelift, corporels. Vous accompagnez des personnes, en fait, vous avez des personnes, en fait, dans votre classe. Vous êtes des créateurs, donc vous avez un business aussi, voilà, qui devrait être à votre image. Et pour aussi accompagner dans certaines introductions de la joie du business, on retrouve Being You, en fait, dans toutes les classes, absolument toutes les classes. C'est comment, en fait, on peut vraiment commencer à développer son business, à créer le business qui nous ressemble, à ne plus être dans du conformisme, que ce soit dans son business ou dans sa vie, mais c'est vraiment être dans ce qui est vrai pour vous, ce qui marche pour vous, à votre image, dans tous les domaines de votre vie, que ce soit la partie privée ou professionnel, et comment en étant dans cette image-là, en fait, vous êtes une telle invitation qu'en fait, tout prend de l'ampleur, se présente avec beaucoup plus d'aisance, tout devient beaucoup plus facile, vos rapports avec les autres changent carrément. Moi, par rapport au business, dans cet espace d'être soi, j'ai jamais l'impression de travailler, je suis tout le temps dans mon univers. Je fais rien comme personne, je regarde même pas ce que font les autres en fait. Je suis vraiment juste dans ce que je suis, dans l'invitation que je suis. Et dans mes classes, en fait, c'est vraiment ça qui se passe, c'est que j'invite chaque personne à être dans l'espace qu'elles sont, l'invitation qu'elles sont. Et quand on entend chez Access qu'on est chacun un cadeau par notre différence, c'est totalement ça. C'est comment en fait on a pu croire qu'il fallait faire les choses d'une certaine façon pour réussir et comment en fait on s'est coupé de ce qu'on sait et de ce qu'on sait faire le mieux et qu'on n'a pas reconnu, qui pourrait en fait créer beaucoup plus que tout mettre sous contrôle. Donc tout ce que vous avez fait pour bien faire les choses, les faire de façon juste, ne pas vous tromper, les faire de façon parfaite, qui vous ont coupé en fait de la créativité et de l'espace d'être vous, qui pourrait créer beaucoup plus. Tout ceci, faut en dire, est-ce que vous voulez bien être décrit? Right and wrong, good and bad, pack and pod, online, shots, boys and beyonds. Je perçois beaucoup d'interrogations par rapport à cette classe et je perçois aussi beaucoup de barrières levées. Et c'est très intéressant par rapport à cette classe Being You parce qu'il y a beaucoup de résistance. C'est comme si en fait on voulait pas. C'est comme si dans cette classe en fait il y avait ce côté, il faut se mettre à nu, il faut vraiment aller voir, comment dire, se replonger dans des choses ou aller voir qui on est. Il y a un peu de ça et en même temps c'est pas du tout ça non plus. Le but de cette classe c'est pas d'exposer en fait tout son passé, en quoi on a échoué, en quoi comment dire, on n'est pas satisfait de ce qui se passe. C'est aller regarder justement qu'est-ce qui nous a verrouillé dans ces espaces. Et vous savez comment ça fonctionne Access. Enfin, au niveau des déblayages ça va assez vite, c'est-à-dire que quand vous êtes facilité, on va rapidement mettre le doigt sur ce qui vous verrouille, et dès qu'on ouvre cette porte-là, après cette classe, c'est juste du bonheur. En fait, on surfe dans un espace où on a des prises de conscience, où on incorpore les outils d'Access, on n'est plus dans le faire les outils. C'est l'invitation de cette classe, c'est commencer à être les outils, à être cette aisance, à être cette joie, à être dans cet espace d'exubérance de la vie. On est carrément dans le mantra d'Access, tout de la vie vous vient avec aisance, joie et gloire. Donc partout en fait où vous avez des limitations à aller regarder ce qui vous verrouille jusqu'à aujourd'hui, vous englue sur place et vous empêche en fait d'accéder à ce qui pourrait créer le plus dans votre vie, d'avoir cette vulnérabilité, c'est vraiment ça. C'est d'aller voir où en fait vous n'avez jamais voulu regarder,
que si vous alliez regarder à cet endroit, vous pourriez tout changer. Tout ce qu'empêche ceci est ce que vous voulez bien être décrit. Writing one good and bad pokenpon ash above ambiance. Et quand je dis tout ce qu'empêche ceci, vous voulez être créé, c'est même au-delà de cette classe. Si vous décidez de pas forcément vous diriger vers une classe being you, c'est comment en fait vous pouvez commencer à faire tourner cette question. Sur quoi je ne veux pas mettre le projecteur me concernant. C'est intéressant ça. Que si je mettais le projecteur en fait, justement, le rideau en fait, l'aventure d'être soi commencerait. Et à l'inverse, qu'est-ce qu'il faudrait pour éteindre les projecteurs pour tous les endroits en fait, où vous vous focalisez, où vous vous jugez, où vous vous limitez et où vous choisissez en fait, le cadre de cette réalité, comment elle fonctionne, comment fonctionnent les autres, comment ça fonctionne dans votre travail, comment ça fonctionne dans votre famille, etc. Pour effectuer vos choix. Donc, partout où vous effectuez vos choix par rapport à ces cadres-là, plutôt que de suivre ce qui est vrai pour vous, même si vous ne l'avez pas encore identifié, tout ceci faut en dire à ce que vous voulez bien être décrit. Writing one good and bad, book and pod, online, shorts, boys and beyonds. Et ce que j'adore aussi dans cette classe, c'est que moi, j'ai participé donc à deux classes Being You avec Dane et une autre classe Being You d'une journée. Ce que j'adore vraiment dans cette classe, c'est qu'on revient sur les outils de base, entre guillemets, d'Access Consciousness. Et en fait, c'est jamais de trop. Ces outils-là, en fait, quand je dis les outils de base, c'est les outils même qu'on voit en classe Access Bar. C'est les outils qu'on voit dans les premières classes telles que Fondation. Là, je reviens donc du training des facilitateurs. En fait, on revient sur ces outils. Ces outils, en fait, ils sont de vrais fondamentaux. La passerelle, en fait, c'est de commencer à être... J'ai une connexion instable, donc si ça coupe, n'hésitez pas à me faire signe. C'est le fait de revenir sur ces outils et de, comme je le disais tout à l'heure, de commencer en fait énergétiquement à les intégrer dans notre façon d'être, dans notre fonctionnement. Donc cette classe-là, en fait, c'est vraiment pour faire un peu le reset de vos limitations, pour commencer en fait à incorporer les outils d'Access Consciousness, pour les mettre en fait en exécution dans tous les moments de votre vie. Donc partout où vous avez en fait cet espace où vous cherchez, c'est un peu le parcours par rapport à des niveaux. Comme si une classe avancée, ça apporterait plus qu'une autre classe. Partout où dans cet espace-là, vous en avez laissé de côté et oublié la contribution que peuvent être les outils d'Access Consciousness dit de base, tout ceci, faut un joyeux, est-ce que vous voulez bien être décrit? Writing one good and bad book and pod on the shoppers ambiance. Parce que ce qui a été intéressant, donc, c'est que durant ce parcours de 3 jours des facilitateurs certifiés, Being You, Dane a donné une classe qui s'appelait Le réveil des géants. Et dans cette classe-là, en fait, les personnes qui sont venues, donc c'était des Suédois pour le coup qui étaient sur place, en fait, c'est des personnes qui n'avaient jamais encore découvert Access Consciousness pour la plupart. Et en fait, le docteur Dane Here, pendant toute cette soirée, en fait, il a présenté les outils d'Access, il a fait des facilitations et il a été dans cette énergie, dans cet espace d'être soi. Et le retour qu'on s'est fait, tous les facilitateurs certifiés pour avoir fait différentes classes dites de base et avancées, c'est la contribution en fait de ces classes-là. C'est que c'est jamais de trop en fait d'aller en profondeur sur qui on est, sur ce qu'on sait, sur le fait de lever les limitations, mais dans cet espace d'être soi. C'est pas sur un sujet particulier. Ces classes-là, en fait, c'est vraiment une énergie extrêmement différente de toutes les autres classes. C'est vraiment la classe où, en fait, on revient à qui on est hors définition. En fait, c'est vraiment la classe où on sort de là. En fait, c'est vraiment l'espace d'être de façon hyper élargie et c'est vraiment une page blanche.
Voilà, c'est vraiment ça. C'est pas comme certaines classes où on vient avec un petit peu sa liste, ce qu'on veut changer, on sait plus ou moins par rapport au thème ce qu'on veut apporter. Being You, en fait, une classe, on sait jamais où elle va nous mener, mais on sait qu'après cette classe-là, en fait, tout est possible. Dans le sens, on crée l'espace pour tout choisir. Donc, partout où vous ne vous autorisez pas à aller créer cet espace vierge, finalement, et d'avoir la vulnérabilité d'aller regarder ce que vous désirez changer et ce qui pourrait contribuer le plus à votre vie, tout ceci pour un joyeux est-ce que vous voulez bien être décrit? Right and wrong, good and bad, puck and pod, all nine shorts, boys and beyonds. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont déjà participé à cette classe Being You qui sera en ligne? Moi. Bonjour Marie-Sandrine. Oui, coucou. Est-ce que tu veux témoigner, Carole? Tout à fait. Donc, je l'ai fait en Corse il y a un mois à peu près avec Maëva Dolly Tocobali. Et Oui. le soir même de cette classe, j'ai une visite pour ma maison qui est en vente à côté de Lille. Et Ouais. le lendemain matin, à 9h, j'ai une proposition d'achat qui n'était pas arrivée depuis des lustres. J'avais baissé le prix ces derniers temps, j'avais des visites toutes les semaines, mais jamais une seule fois on m'avait fait une proposition. Donc, D'accord. j'ai négocié, ça s'est fait. En rentrant des formations de Corse, j'ai rencontré quelqu'un le jour même avec qui je cohabite et on est vraiment une contribution l'un pour l'autre. Je Ouais. ne vais pas rentrer dans les détails, voilà, parce que c'est mes personnels, mais c'est vraiment une contribution qui est très forte. Et j'ai aussi un projet professionnel d'un centre de bien-être et je verrai si ça se fait ou pas, mais j'ai trouvé un lieu qui me correspond. Voilà, je dois voir avec l'urbaniste si ça va se faire, si ça va se faire. Mais c'est vrai qu'il y a eu trois choses qui ont été waouh. Et Ouais. donc voilà, c'est pour ça que je t'ai demandé aussi de vouloir bien refaire une classe BNU avec toi. Parce que Waouh, tu merci. donnes ton énergie et ça a été tellement fort, il y a eu tellement des choses spectaculaires, enfin voilà, des choses importantes qui se sont passées, je te dis, le lendemain matin de la classe. C'est génial, merci, merci beaucoup pour ce partage, Carole. Et ça, pour moi, ça reprend totalement la magie d'être soi. C'est tout en fait, on met, comment dire, en énergie pour de la mise en place, pour de la création, pour que les choses arrivent. Comme toi, en fait, si je peux témoigner de quelque chose, c'est que du moment en fait où on se choisit, où on est cette énergie. En fait, on n'est plus dans le jugement, on n'est plus dans les attentes, on n'est plus dans cet espace où on veut bien faire, où on veut répondre aux attentes, où on s'aligne aux projections qu'on peut avoir sur nous. On est juste en fait en phase avec ce qui marche pour nous. Et comment, quand on est dans cette vibration-là, il y a tout qui peut se mettre en place avec aisance totale. Donc tout ce qui vous empêche d'inviter cet espace d'être, déjà, simplement par rapport à ce call qu'on fait ce soir, d'être dans votre authenticité, dans votre différence et dans ce qui marche pour vous, qui inviterait en fait l'espace des possibilités au-delà de ce que vous avez pu imaginer et hors de contrôle. Tout ceci pour un joyeux, est-ce que vous voulez bien être décrit? Right and wrong, good and bad, puck and pod, all nine shorts, boys and beyonds. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, Carole? Non, là, de suite, non. Ouais, ok, super. Bah, merci, merci beaucoup pour ce retour. Et c'est toujours intéressant aussi d'avoir les retours de différentes personnes qui ont, comment dire, qui ont déjà reçu la classe, perçu l'espace qu'elle crée, et puis aussi, du coup, déjà actualisé bah, les changements que ça peut opérer. Alors, est-ce qu'il y avait des personnes, avant que je poursuive, qui avaient des questions particulières par rapport à cette classe-là? Qu'est-ce qui vous a donné envie de me rejoindre ce soir? Est-ce que c'est l'intitulé de la classe? Est-ce que vous en aviez déjà entendu parler, cette classe? Je suis assez curieuse par rapport à ça. Est-ce que vous aviez déjà entendu parler de la classe Being You?
pouvez écrire sur le chat si vous ne voulez pas intervenir, c'est OK. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'être là ce soir ? Le nom de la classe, découvrir. Ouais. Parce que je parlais tout à l'heure de résistance. Donc, vous savez, cette classe, elle est tirée du livre de Dane aussi, « Sois toi et change le monde ». Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire ce livre, qui est juste un cadeau et il y a tellement déjà de déblayage à l'intérieur. Et quand je parle d'énergie et d'espace que crée cette classe, si vous avez lu le livre, si vous l'avez apprécié, si vous a contribué, c'est vraiment cet espace-là. Quand je parle d'espace, donc, parce que ce n'est pas très concret, j'essaie au mieux en fait, de vous partager ce qui se vit dans ces classes. Si vous avez lu ce livre, c'est vraiment en fait, c'est vraiment ce qui se passe. En fait, on lit le livre, on participe à la classe, on se dit waouh, mais c'est ce que j'ai toujours su, mais ça c'est moi, mais ça je le savais en fait, et ça en fait, c'est carrément ça. Voilà d'où je me limitais, voilà ce que j'ai fait pendant des années, voilà ce que j'ai choisi, et qu'est-ce que je peux choisir aujourd'hui. Donc j'y reviens encore, ça demande une certaine vulnérabilité d'aller regarder en fait ce qu'on a choisi aussi. Et ça se fait en toute bienveillance, bien sûr. C'est vraiment la classe qui peut vous apporter. Je ne vais pas parler de réponse, évidemment. La clarté. Ouais, c'est vraiment la clarté et les outils pour pouvoir inviter quelque chose de différent. Et quand je parle d'énergie, c'est que même si concrètement, on n'a pas de réponse concrète qui sort de cette classe, quand je parle d'espace, c'est que énergétiquement, on ouvre vraiment les portes à inviter plus grand, en fait. Voilà. Moi, c'est vraiment ce qui s'est passé. C'est que je me suis rendu compte aussi à combien j'avais choisi petit jusqu'à maintenant, enfin, jusqu'au moment où j'ai fait la classe, ma première classe, et comment, en fait, ça a réveillé juste mon envie de créer beaucoup plus dans ma vie. Et quand je dis beaucoup plus, c'est pas une histoire de quantité, c'est pas une histoire... les personnes qui me suivent un petit peu, c'est vrai que je voyage beaucoup. J'ai toujours beaucoup voyagé. Donc, c'est pas une histoire comment, c'est pas une définition comment on ajoute à sa vie, mais c'est comment on ajoute dans ce qui marche pour nous, en fait. Qu'est-ce qu'on peut créer avec ce qui marche pour nous d'encore plus grand ? Et tout ce qui vous empêche de percevoir, de recevoir, d'être et de savoir cela, est-ce que vous voulez bien être décrit ? Writing one good and bad, pocket and pod, online, short, buzz, ambiance. J'avais entendu parler, mais sans savoir en quoi cela consistait. Au final, le thème du call sur le fait d'être moi me parle beaucoup avec ce que je vis en ce moment. Et en fait, c'est ça. C'est qu'on ne sait pas ce que c'est. On sait plus ce que c'est être soi. Merci Marielle pour ce message. On sait plus ce que c'est être soi. Et quand on commence à découvrir cette classe, quand on commence à, ne serait-ce même que sur une intro, on commence à capter en fait c'est même pas le concept, c'est des couches qui se lèvent en fait. C'est comme si voilà, on se dit waouh, en fait c'est vraiment un réveil. Enfin, moi ça m'a, j'ai parlé de coups sur la tête, ça m'a secoué, mais c'est vraiment ça en fait. C'est dire waouh, en fait jusqu'ici j'étais vraiment un peu en pilote automatique, je me suis posé aucune question, enfin j'ai fait les choses telles qu'il fallait les faire ou c'était bien de les faire ou... Et c'est pas se remettre en question par rapport à ça. Et si cette classe, ça vous permettait en fait d'ajouter à votre vie, c'est le but. Le but en fait de cette classe, c'est pas de faire un auto-jugement, de se dire j'ai tout fait mal et comment je reconstruis ça. Pock and pod, pas du tout. C'est de se dire ok, tout ce que j'ai choisi jusqu'à maintenant, est-ce que plus c'est possible ? Et surtout si vous avez cette perception que dans l'espace où vous êtes, en fait, l'expansion, la joie au quotidien n'est pas présente. Et quelquefois, c'est pas forcément en ajoutant matériellement à votre vie, c'est aussi en ajoutant énergétiquement, en ajoutant de vous en fait à votre vie.
Donc, partout, en fait, où aujourd'hui vous avez ajouté matériellement pour les autres et vous avez, comment dire, vous avez créé à partir de l'espace à l'extérieur de vous, c'est-à-dire que vous n'êtes jamais inclus dans les créations, quelles qu'elles soient, plutôt que de voir à votre niveau comment se passent les choses, d'inviter les choses à votre niveau et que le changement extérieur s'opère à votre image, tout ceci fois un joyeux. Est-ce que vous voulez bien être décrit? Writing wrong, good and bad, puck and putt, online shots, boys and beyonds. Et c'est comme ça que je rebondis sur aussi le témoignage de Carole. C'est comment, du coup, en étant soi, tout notre environnement change. Mais complètement. Que ce soit vos rapports avec les personnes, que ce soit vos rapports dans le travail, avec votre propre business. Et tout est différent parce que vous ne fonctionnez plus à partir du même espace. Vous fonctionnez à partir de l'espace de l'aisance. Absolument, Carole, je t'invite à intervenir à nouveau avec plaisir. Voilà, donc je ne vais pas rentrer dans le détail de cette relation par respect, par confidentialité. Mais en fait, donc, je suis originaire de Lille et je vis à Cannes, comme j'ai cité ma maison est en vente. Et j'ai un bateau dans le sud. Je voulais donc m'en séparer ou au moins revendre la moitié de toi. Et ça ne se faisait pas. J'ai contacté 2-3 personnes. Et cette personne que j'ai rencontrée le jour où je revenais sur scène, où je rentrais des classes, m'a proposé de lui-même de m'aider financièrement et de me racheter la moitié des parts du bateau, ce qui est quand même énorme. Parce que voilà, c'était un petit détail que je voulais rajouter sans en dire plus par rapport à ma relation. Par rapport à la magie, qui s'est présentée. Et dans ce que tu dis, tu vois, ce qui est intéressant aussi, c'est comment en changeant certaines façons d'être, c'est-à-dire en baissant nos barrières, comment tu aurais perçu, enfin, ça n'appelle pas forcément de réponse, mais c'est plus dans une réflexion, comment tu aurais perçu cette proposition peut-être avant la classe et après la classe. Moi, je sais que mon niveau de recevoir, en fait, il a totalement changé aussi. Le fait de pouvoir recevoir des autres, vous savez que la notion de recevoir, enfin, c'est tellement large et en même temps, quand on commence à baisser les barrières, on peut recevoir les contributions, les prises de conscience, on peut percevoir du coup les possibilités, donc ce qui va augmenter aussi notre aisance avec l'argent, ce qui va nous mettre dans un espace bien différent avec les autres. Le recevoir, c'est le tout recevoir, donc c'est où les jugements ne nous atteignent plus forcément, où on a l'aisance avec tout. Je le disais, on est vraiment dans l'espace du tout, de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Donc c'est comment en fait on va dégager quelque chose de différent. Ça aussi, je l'ai remarqué, c'est sans avoir l'impression de ne rien changer, absolument rien. Vous faites ce type de classe-là, ces classes être soi, et les gens, en fait, vont me dire, après cette classe, mais qu'est-ce que t'as changé? Ta coupe de cheveux? T'as l'air plus heureuse? T'es plus souriante? La connexion est encore un petit peu instable. T'es plus souriante? Enfin, tout ce que tu fais, ça a l'air de te réussir? Enfin, les choix que tu fais, c'est juste totalement fou? Enfin, comment tu fais? Et en fait, la réponse, c'est juste, en fait, c'est ce qui marche pour moi. Et j'ai les outils, j'ai l'aisance, en fait, pour choisir ça sans me poser trop de questions, sans aller dans mon mental, sans demander la validation de Pierre, Jacques et Paul, sans regarder ce que font les autres. En fait, je choisis ça juste parce que je le choisis, parce que ça marche pour moi. Et voilà, être dans cette légèreté, et même avec les personnes avec qui vous souhaitez avoir du changement, même que ce soit par rapport à vos relations, par rapport à votre famille, etc., c'est comment dans cet espace-là, en fait, vous amenez aussi des relations différentes, sans forcément rentrer dans des discussions, sans forcément, comment dire, revenir sur le passé ou faire des efforts. Vous êtes différentes. Vous dégagez quelque chose de différent dans cet espace d'être vous. Donc, les personnes, en fait, ça les impacte aussi.
Et après, elles sont dans leur choix de le recevoir ou pas, de recevoir la contribution que vous pouvez être ou pas. Mais ça, pour vous, ça n'a plus vraiment d'importance parce que vous êtes aussi dans le laisser-être des autres. C'est-à-dire que les personnes choisissent ce qu'elles choisissent, c'est qu'un point de vue intéressant. Et vous, pour autant, vos propres choix, ça reste des points de vue intéressants. Ce n'est pas la vérité. Vous n'allez pas, comment dire, après la classe, dire « je te dis qu'il faut que tu fasses ceci, que tu fasses cela ». Non, surtout pas. Ne faites surtout pas ça, s'il vous plaît. Prenez vos outils pour vous. Appliquez les outils d'accès pour vous, soyez les outils d'accès pour vous, et puis si des personnes veulent recevoir la contribution, l'invitation, la joie, l'aisance que vous êtes après ces classes, laissez-leur l'espace de le recevoir, mais ne poussez pas et ne vous confrontez pas non plus aux personnes qui ne seraient pas prêtes en fait, à accueillir la nouvelle personne joyeuse que vous pouvez choisir d'être après ces classes. Donc tout ce qui vous empêche, partout où vous freinez par rapport aux autres, à vous choisir, tout ceci fait un jeu d'art, est-ce que vous voulez bien être décrit. Right and wrong, good and bad, pock and pod, all natural boys and beyonds. Et toutes les personnes qui se disent « oui, je vais choisir cette classe parce que être soi, c'est super bien pour Pierre, Jacques et Paul. » Donc partout, vous choisissez les classes pour les autres en disant « je vais les changer avec ces outils. » Plutôt que de reconnaître que vous êtes le changement à l'invitation si les personnes le choisissent, tout ceci faut un joyeux. Est-ce que vous voulez bien être décrit ? Right and wrong, good and bad, pock and pod, all night, shot, boss and beyonds. Et si c'était la première classe, vraiment, que vous choisissez pour vous, seulement vous, et rien que vous. Et tout ce qu'empêche ceci, est-ce que vous voulez bien être décrit ? Right and wrong, good and bad, pock and pod, all night, shot, boys and beyonds. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que ça vous a apporté de la clarté ? Est-ce que vous aviez envie de parler de quelque chose en particulier ? D'ajouter quelque chose ? Ou est-ce qu'il y a des choses qui sont remontées pour vous pendant que j'ai parlé de tout ça ? Et que vous auriez envie de partager ? Merci Fabienne, donc oui. Des endroits où je pourrais contribuer peut-être. Tout ce qui vous empêche de poser des questions, est-ce que vous voulez bien être décrit ? Writing wrong with a bad fucking pod and a show of ambiance. Tout ce qui vous empêche d'être dans le recevoir et de profiter de cet échange de ce soir pour poser vos questions, est-ce que vous voulez bien être décrit ? Writing wrong, good and bad, back and pole, nash, boys and beyonds. Mon part énergie est très forte, même à travail écran. Merci pour ce retour, Carole. Merci beaucoup. Et merci pour tes témoignages. C'est génial d'avoir des personnes qui partagent leur expérience. Moi, je facilite et j'ai fait les classes, donc j'ai un peu les deux versions, on va dire. Est-ce que Nathalie va poser une question ? Moi, je voudrais poser une question. Oui, bien, je t'en prie. J'ai fait une classe bar, c'est une classe fondation et une classe corps 3 jours. Wow. Et par rapport aux expériences que je viens de traverser, qu'est-ce que tu donnerais comme différence ? Enfin, je ne sais pas si c'est au niveau de l'énergie, si c'est au niveau de la façon de... d'aborder, est-ce qu'il y a des processus corporels, est-ce que, enfin voilà, tout ça. Alors moi, la question que je te poserai, c'est en quoi ce thème t'a interpellée ? Être et... soi ? Ouais, oui, mais bon. En fait, si tu veux, quelquefois, c'est pas quelquefois, c'est tout le temps, on sait très bien pourquoi des classes nous appellent. Mmh. Et après, on peut avoir des résistances à aller, regarder ça de près. Donc, de mon expérience, parce que je ne peux pas vraiment donner de définition, ces classes sont tellement différentes. Ben oui. Comment savoir si ces tests peuvent te contribuer ? L'outil d'accès qui marche très bien, dans le lourd léger, c'est « Quelle sera ma vie dans 5 ans si je choisis cette classe ?» Et quelle sera ma vie dans 5 ans si je ne choisis pas cette classe ? Tu peux déjà percevoir en fonction si ça s'ouvre ou s'il ne se passe rien ou si c'est même plutôt lourd.
ce que tu sais de cette classe, qu'elle peut t'apporter. Les classes fondation, barre et corps, ce sont des classes qui commencent en fait effectivement à nous reconnecter à ce qu'on sait, à nous reconnecter à nos perceptions, à notre savoir. Pour autant, vraiment la notion d'être soi, c'est-à-dire vraiment, justement, c'est vraiment difficile à décrire, mais cet espace d'être, pour moi, en fait, c'est vraiment cette classe qui ouvre la porte à ça. On est vraiment dans l'énergie du docteur Den Hir, dans l'énergie de son livre et dans l'invitation qu'il est. Je ne sais pas si vous avez déjà... oui, vous devez suivre des vidéos de lui sur YouTube, etc. Je ne sais pas si vous percevez l'énergie qu'est cette personne, en fait. À quel point il est en phase avec lui-même. À quel point, comment dire, la joie qu'il incarne. Moi, la première fois que je l'ai vu, c'était à cette classe à Marseille. Et j'avais jamais vu de vidéo avant de lui. Enfin, vraiment, cette classe, j'y suis allée vraiment à l'aveugle. Il m'a appelée. Et quand je l'ai vue, en fait, je me suis dit, mais... Au début, ça a vraiment été ça. Et je lui ai dit, d'ailleurs, mais c'est quoi cette personne-là qui est dissipée sur la scène? Il va dans tous les sens. Moi, j'étais encore comme ça. Enfin, il me perdait totalement. Et en fait, à la fin de cette première soirée d'intro... Enfin, j'en avais vraiment de l'émotion de me dire, mais en fait, il est dans cet espace de joie comme un enfant. Et à quel moment, en fait, moi, je me suis coupée de ça? À quel moment, en fait, j'ai invité tant de sérieux dans ma vie et où, en fait, cette surexcitation, cette surjoie, en fait, à quel moment ça a commencé à me déranger, quelque part, à me mettre inconfortable? Et en fait, cet inconfort, c'est pas que ça me dérangeait, c'était où moi, je ne m'autorisais plus à être ça. Et tout ce que ça fait remonter, est-ce que vous voulez bien être décrit? Writing wrong, good and bad, pock and pod, on my shop, boss ambiance. Donc, je ne sais pas si Fabienne, ça répond à la question, mais tu vois, dans ce que je viens de dire, quand je parle d'espace que ça crée, c'est ça. Il n'y a pas de mots, mais tu vois, rien que d'en parler, pour moi, j'ai encore les papillons dans le ventre, comme le jour où j'ai eu cette révélation de me dire « Waouh, en fait, de quoi je me suis coupée et qu'est-ce qu'il faudrait pour me reconnecter à ça et d'inviter ça dans tout, dans ma vie, quoi, dans mes relations, dans mon travail, dans tout ce que je fais, de m'émerveiller de tout, d'ouvrir les yeux. Enfin, c'est ça aussi, d'ouvrir les yeux sur, sur tout ce qui m'entoure et en fait d'être dans cet espace aussi de gratitude. Cet espace... pour moi, c'est ça l'espace d'être, c'est la légèreté, c'est la gratitude, c'est la joie, c'est la magie. Vraiment, cette classe, elle invite de la magie. Carole nous en a parlé. Enfin, moi, j'ai des exemples aussi que je partage en classe. Enfin, je crée des choses, c'est pas rationnel du tout. Et c'est quelque chose que j'ai tiré de cette classe aussi, c'est être irrationnel, sortir de cette linéarité. Donc, C'est vraiment l'invitation qu'est cette classe. À travers les facilitations, à travers les outils qu'on réinvite différemment, il se crée quelque chose dans ces classes qu'on ne retrouve pas dans d'autres classes. Et j'ai fait les classes dont tu as parlé, elles sont juste exceptionnelles. Mais elles sont aussi différentes. C'est comme nous tous en ligne et ceux qui auront le replay, on est tous exceptionnels et on est tous tellement différents. Et tous ceux qui ne peuvent pas recevoir ou qui sont mal à l'aise à recevoir, qui sont exceptionnels, est-ce que vous voulez bien tous les trouver décrets? Writing wrong, good and bad, pack and pod, online, short, buzz and beyond. C'est ça aussi, cette classe, la magie, le cadeau de cette classe, c'est de reconnaître le cadeau qu'on est. Quand tu disais ça, Dane, tu es un cadeau pour ce monde. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Et en fait, les définitions que j'en avais, c'était bien plus compliqué que ce que c'est réellement. C'est là où, en fait, on enlève la structure, les significations, les définitions, le contrôle, et qu'on est dans cet espace d'être. J'ai pas d'autre mot, désolée. Cet espace d'être soi, cet espace de pouvoir tout choisir. C'est ça aussi, être soi, c'est pouvoir tout choisir.
C'est la liberté. Voilà. Moi, j'ai toujours été une personne qui était, en soif de liberté, vraiment. Et j'avais tout créé d'une façon pour être libre. En fait, je l'étais tellement pas du tout. Et en fait, vraiment, cette classe, ça m'a apporté ça. Ça m'a apporté les outils aussi pour créer cet espace où je peux tout choisir. Je suis libre, en fait. Et je suis libre de tout changer aussi. Ça, c'est juste... Ça ne veut pas dire que je change tous les jours. Non, c'est juste que si je le choisis, si je le veux, je peux le choisir avec aisance, en fait. Donc, tout ce qui vous empêche d'avoir cette perception de liberté, d'avoir cette conscience du tout est possible et de sortir en fait des limitations de cette réalité comme si on ne pouvait rien changer. Tout ceci, Fouane Joyeur, est-ce que vous voulez bien être décrit? Right and wrong, good and bad, puck and pod, all mind shows, boys and beyonds. Et pour ceux que ça intéresserait, je fais des programmes en ligne sur un ou deux calls en fonction des thèmes. Et suite à ce training que j'ai effectué en Suède, en fait, vraiment, j'ai vraiment goûté de façon très expansive à nouveau à cet espace de liberté. Et donc, du coup, j'ai proposé un call, si ça vous intéresse, après-demain, 1h30 pour justement déblayer et aller regarder de plus près cette notion-là de liberté. Comment c'est pour toi, Fabienne? Ouais? Cool. Je vais activer quand même. Ouais, c'est ben voilà. Tu as répondu à voilà. J'ai bien senti énergétiquement la différence. C'est cool. En fait, elle pétille, la Fabienne, ça pétille en elle. C'est juste. Je sais pas si cette personne le voit, mais quand on te voit, Fabienne, ça pétille, t'as le sourire, tu peux plus t'enlever le sourire. Il y a quelque chose qui s'est réveillé. Voilà. Voilà. C'est ça. Voilà. Et c'est ça. Ouais. Ok. Merci beaucoup. Merci pour ta question. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions, qui voudraient profiter de ce call pour parler d'un sujet en particulier? Même si c'est hors du call Being You, profitez-en. Il y a des questions particulières, des endroits où vous vous sentez verrouillé? Qui vous empêche de recevoir cette contribution? Est-ce que vous voulez bien être décrit? Writing one with impact, back and forth on Aisha, Bose and Beyond. Partout où vous n'osez pas demander, je ne sais pas comment ça se passe pour vous en classe, mais partout où vous n'osez pas poser vos questions, partout où vous n'osez pas, tout recevoir d'une classe, partout où vous mettez des limitations, est-ce que vous voulez bien être décrit? Writing one good and bad pocket punch of those ambience. Et partout, vous attendez que ce soit les autres qui posent vos questions, ce qui est possible aussi, mais où vous avez pu être frustré qu'en fait, le call s'est terminé, qu'ils n'ont pas posé la question. Donc, partout où vous vous empêchez de poser la question que vous voulez poser, tout ceci, Fouane Joyeur, est-ce que vous voulez bien être décrit? Writing one good and bad pocket punch of those ambience. Coucou Isabelle qui nous rejoint. Coucou. En ce qui me concerne, c'est pas que j'ai pas plus à donner. C'est que l'énergie et ce que je voulais vous transmettre est assez présent. J'espère que vous le percevez. C'est pour ça que je pose des questions s'il y a des choses que vous vouliez aller voir plus en profondeur. Donc, pour parler de la classe, c'est classe sans prérequis. Introduction ou jusqu'à 2 jours et demi. Et sachez, c'est clair, je n'arrête pas de bailler. Il y a juste un petit peu d'énergie. Merci pour ces retours. Du coup, je vais certainement proposer ces classes en ligne aussi. Donc, j'ai eu des demandes pour aller un petit peu aux quatre coins de la France et par ailleurs parce que je bouge pas mal. Et je n'ai pas encore l'outil de... le clonage. Donc du coup, j'ai l'outil par contre du live stream.
Donc, si ça vous intéresse, un petit peu comme là, on fait ce soir, de me rejoindre pour une classe en ligne, même une introduction, pour partager cette classe-là et poser vos questions. Voilà, ce sera quelque chose qui sera possible aussi. Voilà, ben j'espère que ça vous a contribué à percevoir l'énergie de cette classe, le cadeau de cette classe, le cadeau du livre du docteur Dan Hir aussi. Soit toi, change le monde. Si vraiment vous ne l'avez pas lu, je vous invite, c'est juste une recommandation par rapport à ce que moi, il m'a apporté, ce livre-là. Et si vous voulez aussi avoir plus de témoignages, le livre, il est dans le placard. Je vais faire une publication. Il y a un nouveau livre qui est sorti qui s'appelle The Greatness Adventure of Being You, donc la grande aventure d'être soi. Et en fait, ce sont des facilitateurs certifiés Being You du monde entier qui ont témoigné ce que c'était être soi. C'est un petit peu comme le challenge des 30 jours. Je ne sais pas si vous vous êtes inscrite. Enfin, alors, il est en anglais, je sais. J'espère que pour les personnes qui ne sont pas tout à fait bilingues, vous arrivez à capter l'énergie et les messages de chaque vidéo. Sachez que prochainement, je vais créer un groupe Being You, gratuit, où je vais poursuivre un petit peu cet élan, partager assez régulièrement des outils et contribuer par rapport à mes prises de conscience, créer aussi un espace d'échange où des personnes peuvent témoigner, comme Carole l'a fait, ou d'autres personnes, sur ce qui se passe dans leur vie, comment ça peut être aussi une communauté bienveillante à être soi. Donc ça, c'est quelque chose que je vais créer très prochainement. Si vous voulez avoir l'info, certainement je ferai des partages sur les groupes Access Consciousness francophone notamment, mais ça serait aussi sur ma page Facebook. Donc sous à peu près une semaine, 10 jours, je vais lancer ça. Donc si vous voulez me rejoindre pour continuer l'aventure d'être soi, déjà de cette façon là et puis quoi d'autre est possible pour vous. Voilà, je vais vous souhaiter une très belle soirée. Je vous remercie infiniment de m'avoir rejoint. Je crois que j'ai encore la ligne instable Internet. J'espère que vous m'entendez. J'attends avec impatience. Merci à toi. Merci pour vos retours. Merci pour votre enthousiasme. Merci pour votre présence. Et merci aussi d'être dans cette énergie de vouloir toujours plus et de choisir toujours plus, quels que soient vos choix. Ça, c'est vraiment l'énergie aussi d'être. C'est d'être instoppable. Chaque choix, quel qu'il soit, on peut dire petit choix, grand choix. Chaque choix est un choix et chaque choix ouvre des portes et des possibilités. Donc, partout où vous vous jugez pour ne jamais choisir assez grand, plutôt que de reconnaître tous les choix que vous avez faits jusqu'à aujourd'hui et être dans cette énergie, quoi d'autre est possible? Tout ceci forme de l'air, est-ce que vous voulez bien être décrit? Writing one good and bad book and pod online shorts, boys and beyonds. Je vous dis à très bientôt, une belle soirée, et si vous avez des questions qui vous viennent par la suite, n'hésitez pas à me faire un petit message. Une belle soirée à tout le monde, au plaisir de vous rencontrer ou de vous revoir. Merci pour vos messages, merci beaucoup. Merci. Bye bye.